How much you sell it for? I don't know. How do you think that would be? Where do you even buy account? I do. Like, when either they have rare scan. You mean you actually did it? Yeah. I mean, you can sell it for, like, a really good price. Fucking Glacier goes for, like, 2,000. Your best teammate. Remember, I have Glacier on two accounts on every weapon. G2G? Yeah, that's like one of the most trusted websites for account trading and shit. What? Attends, mais c'est ouf. Moi, je savais pas ça. Oh, 10 euros les acomptes. Ah putain, Hélène, elle joue beaucoup. Hein. C'est une streameuse, sûrement. Ah, c'est pas super bien rangé leur truc. Hein. Oh non, de fucking non. Very, very cheap. Xbox currently champion. 4 fois champion. 7 fois diamant. 1700 euros. Putain, mais j'ai au moins 3000 euros, moi, là-dessus. Allez! Il est au bout de sa vie, le mec qui parle. Mais non, mais ça, c'est les Américains. Oh, eh, franchement, eh, j'en peux plus quand j'entends les Américains qui parlent dans les vidéos, là. Ils parlent tous avec le fond de leur voix, là. Yeah, I don't know why I'm not going to do it. Previously, I was like working in a very difficult environment. Je fais what? Mais parle normalement en fait. I know. Oh ça m'énerve, ça m'énerve. Tous les Américains font ça. Ils parlent tous comme ça là. Mais t'imagines sérieusement si tu parlais comme les Américains parlent avec en français, mon gars, on te mettrait deux tartes dans la gueule. Ils parlent pas les Américains, ils ronronnent. And, I really love it. Mais c'est horrible, je te jure, on dirait un chat qui est en train de die. Le chat il claps en fait. Bon les amis, il faut qu'on parle business. Je vais vendre mes comptes. Hein. Non mais je peux pas m'asseoir sur 5000 euros. Il faut savoir que moi, les skins, je m'en fous totalement. 1K euros le compte. Et comme il le présente pas, tu sais. Mais il a rien dans son truc. Ah, il a 364 jeux sur Steam. Account Rainbow Six Champion, 388 level. Putain, 388, moi je suis même pas 300 quoi. Ouais, bon, il y a quelques skins quand même. Je suis même pas sûr que je l'ai, le charme Gofort. Parce que ça a pas été donné dans les premières années. Je dois en avoir 8 des Gofort, j'ai jamais eu le charme, je crois. En tout cas, je m'attendais pas à ça. Merci, s'il vous plaît, level 368. Une fois champion, 5 fois diamant. Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est pas les comptes ou des skins qui ont été récupérés en cheatant? C'est chaud quand même, non? Non, vous pensez pas? Le seul account que j'ai vendu, c'était mon compte World of Warcraft, quoi. Quand j'ai terminé de jouer à WoW, je l'avais vendu 900 euros à l'époque. Et comme tout le monde savait à qui appartenait le compte, bah, il s'est fait recruter nulle part. Il a dû changer et migrer son serveur. Je vais revendre mon compte Valo, 650 euros de skin. Oh la vache. Et moi, je dois avoir 250 euros de skin sur Valo. J'ai jamais acheté un skin sur R6, je dois avoir 250 euros sur Valo. La honte. Après, il y a tous les skins qui ont été donnés. Après, j'ai acheté quand même à chaque fois là, les Battle Pass, puisqu'on me le donne plus maintenant. Yo, c'était moi le joueur dans ta partie d'avant. En effet, je crois bien avoir reconnu ta voix. Et à la fin, j'ai vu ton charme, donc j'ai compris direct et j'ai ouvert ton Twitch. Ah, ça faisait un moment que j'étais pas passé par ici. Bah, tu m'étonnes, c'est marqué première fois sur le chat. On est allé voir ton call du coup. On est allé voir G2G pour me rendre compte qu'à mon avis, j'en ai pour au moins 4000 euros de compte. Le pire, ça aurait été un random. J'aurais proposé un prix pour le compte MDR Glacier. J'aurais pas dit non pour 2-3K. 2-3K pour le Glacier sur Twitch. 2-3K juste pour un skin. 2-3K. Vas-y, je te le donne le compte, hein, franchement. Ah, je te le vends, je veux dire. Bah oui, après, je le monte en champion 2-3 saisons de suite. Et je le revends 500$ de plus. Juste parce que t'as été champion, les mecs, ils achètent le truc. Et c'est pourquoi? C'est pour pouvoir dire j'ai été champion. Pour flex et le charme. Oh my god, il me faut environ 10 secondes pour savoir si un mec il est à niveau champion ou pas, t'es. Ça se voit, tu vois. Il y a un business en fait, mais je peux trop me faire un business. Vas-y, faut qu'on parle. Tu viens de me donner la motivation pour monter un truc champion. Hein. Mais genre, un truc de champion, tu vois. Genre level 50-60 et le truc est champion et tu le revends instant comme ça. 3, 2, 1, one tap. Là, je vais me prendre un gueule, celui-là. Voilà. Forcément. On se fait champion pour le vendre 3K, c'est rentable. Non mais pas 3K, il vient de dire 500$. Pour peu que tu aies quelques skins sympas dessus, il y en a qui prennent 200 à 500 balles. Attends, mais il y a un business total à faire. Pourquoi il n'y a aucun streamer qui font ça? Car illégal, c'est mal vu en général. Ah, c'est chaud quand même. What? Eh, je comprends pas les amis. Franchement,
Je vous comprends pas, certains. C'est comme Clash of Clans, c'est illégal. Non, mais c'est trop drôle. Donc, c'est illégal de revendre un compte après l'avoir farmé. Mais derrière, Ubisoft veut sortir les NFT, quoi. Mais ça n'a rien à voir. Oh, moi, j'aimerais trop, du coup, faire ça. Ça doit être trop drôle. Ça doit te donner une vraie motivation monétaire d'aller emmener un grade champion, quoi. C'est pour ça que je le fais pas. Je fais pas de road to champion. Y a rien, tu sais. Acheter, revendre des comptes, c'est illégal. Si Ubisoft le sait, le compte se fait ban. Ah, j'imagine. Ça se vend très bien, franchement. C'est contre les TOS de Ubisoft, donc les streamers ne le disent pas. Non, ce qui est illégal, c'est de vendre un compte qui t'appartient pas. Non, je pense que t'as pas le droit de transmettre un compte, quoi. Ce qui est ouf, quand même. Genre, c'est illégal de vendre un truc qui t'appartient, tu vois. Et il me semble que c'est illégal. Hein. Il me semble que t'as pas le droit de revendre de compte. Hein. Faudrait regarder les TOS, hein. Mais je pense que c'est genre mort de chez mort, en fait. Ce serait ouf, n'empêche. Moi, je le vois comme un truc, tu sais, totalement transparent, quoi. Où tu mets un truc en bas à droite avec aujourd'hui, on a monté 3 comptes, 4 comptes, 5 comptes, etc. S'il y a des gens qui veulent acheter, bah, ils achètent, quoi. Mais le fait qu'il y ait des joueurs qui sont prêts à payer plusieurs milliers pour des comptes de joueurs comme Spoit, Ozzy, Show. Moi, on est venu me voir plusieurs fois. Hein. À chaque fois, je me suis dit, oui, bah non, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bah, à chaque fois, hey, tu vends ton compte? Non. Les comptes ne t'appartiennent pas réellement. Ouais, c'est comme sur Steam, hein, c'est un peu nébuleux quand même. Hein. Le droit de propriété en dématérialisé, c'est un peu nébuleux quand même. Ouais, du coup, si t'es grillé, plus de compte, donc c'est illégal. Non, c'est pas illégal, c'est interdit par Ubi. Je ne pense pas que ça soit, on tombe dans le cadre de l'illégalité. Non, mais quitte à utiliser un terme, autant utiliser le bon. Je pense pas qu'on enfreigne une loi quand tu fais ça. Je pense que t'enfreins néanmoins des terms of service, donc un règlement qui est donné par Ubi, quoi. La finalité sera la même, mais pas tout à fait. Il y a quand même un sentiment de mon côté de dire qui profite le fait d'empêcher ce genre de deal entre les personnes, quoi, tu vois. Parce qu'ils ont pas la main mise et ils peuvent pas intervenir sur les transactions, quoi. C'est genre pas une illégalité propre parlant, mais juste interdit par Ubi, quoi. Ouais, mais ça a toujours été interdit. Hein. Même sur World of Warcraft, moi je me souviens, j'avais revendu mon compte et c'était il y a plus de 10 ans. Voilà, quoi, c'était interdit. Bah, je pense que c'était interdit au final. Bah, à l'époque, moi j'étais à moins 900€ tous les mois sur mon compte, quoi. Quand on m'a dit, tu sais que tu peux revendre ton compte 900 balles, je fais bah, let's go. J'y croyais pas, hein, franchement. Et interdit, c'est de vendre un compte ou de jouer sur un compte qui n'est pas le tien. Je sais pas, franchement, si je vends mon compte Pro League, là, il y a des gens qui seraient prêts à me le prendre 5 ou 6 000€. Hein. Et puis moi, il faut savoir que j'en ai rien à foutre des skins, quoi, tu vois. Tu vois, c'est un peu ça l'avantage de ce marché-là. Mais attends, mais t'es à donf dedans, toi. Tu t'es fait combien de thunes, RHX, avec le deal des comptes, là? Avec les ventes de comptes, tu t'es fait environ 15 000$. 15 000$, faut qu'on parle. Non, non, mais moi, ça me tue. J'ai toujours l'impression qu'on se fait niquer sur tous les trucs, tu sais. 15 000€ en 3 ans. Je pense à une reconversion professionnelle. Ah ouais, on s'y met tous. Il y en a qui achètent bien juste des comptes level 30 car ils ont la flemme de monter un nouveau compte. Bah, tu vois, ça, c'est con. Mais moi, je peux le comprendre, ça, tu vois. Ça, je le comprends beaucoup plus que du cosmétique, en fait, tu vois. Ou alors, acheter un compte où il y a tous les opérateurs de débloquer. Moi, ça, c'est le genre de truc que je pourrais faire, tu vois. Dans le genre où j'ai pas du tout envie de me faire chier à débloquer les opérateurs, tu vois, sur mes smurfs. Mais le reste, les skins. L'avantage sur PC est gigantesque par rapport à la console, car si tu vends ton compte, tu vends l'intégralité de tous les jeux possédés. Ah ouais, tu vends ton compte Uplay. Mais après, 15 000 en 3 ans, c'est très peu, et ça peut parfois prendre énormément de temps à vendre. Donc tu as un bénéfice, oui, mais c'est long, et voir cet argent, pas vraiment possible d'en faire un taf, donc j'ai pas le choix d'avoir un emploi quand même. Bah j'espère bien, Après, tu veux faire quoi, là? Tu vas mettre ça sur ta bio Tinder? Tu fais quoi dans la vie? Tu es vendeur? Ah ouais, tu vends quoi? Des skins. De la peau, quoi. Non, des skins sur des armes sur un jeu virtuel. Waouh !